Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée avec moi. Donc je vous embarque avec moi un dimanche, du réveil au coucher. Donc bien évidemment, la journée commence dès le matin. Donc personnellement, le week-end, je ne mets pas de réveil. Et j'attaque bien sûr par un bon petit déjeuner. Donc ce jour-là, j'ai eu envie de me faire un smoothie complet en fait. Quand je me lève un peu plus tard, c'est la bonne option pour pas trop déjeuner avant le repas du midi. Donc là, j'ai pris mangue, banane, fraise et j'ai mis de l'eau de coco avant d'ajouter une dose de mon Fit Vanilla. Donc c'est un produit qui est enrichi en plein de superfoods et protéines. Donc ça vous permet d'avoir un repas vraiment complet pour le petit déjeuner. Pour les filles par exemple qui sont pressées le matin, qui ont la flemme de déjeuner, c'est vraiment une bonne solution. Après, bien évidemment, je me mets sur mon ordinateur, comme d'hab, je check mes mails, je travaille, je fais mon montage pour la vidéo du dimanche. Enfin bref, voilà, je vais faire un petit peu toutes mes activités liées à YouTube. Et ensuite, je passe à la salle de bain pour me préparer. Bon, bien évidemment, je me douche, un peu comme tout le monde, je pense. Je vous fais la semaine prochaine, donc dimanche prochain, une nouvelle vidéo sur ma routine visage anti-acné. J'ai plein de nouveaux produits super efficaces à vous partager. Donc, je vous détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, bien évidemment, je me lave les dents et ensuite, je me parfume avec mon parfum du moment qui est la brume en fait à l'amande de chez Roger et Gallet que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le make-up, j'aime bien faire des choses assez simples le week-end et la semaine aussi, d'ailleurs, c'est pareil. Je fais un petit liner, j'utilise mon mascara toujours le même depuis 15 ans de chez Arc&Seal et je teste en ce moment sur vos conseils le nouveau, il n'est pas vraiment nouveau, mais c'est un nouveau pour moi, anti-cerne, donc Naked de chez Urban Decay, on va y arriver, avant de fixer avec une nouvelle poudre également de chez NARS que j'ai acheté sur vos conseils aussi. Pour mon blush, j'utilise un MAC que j'ai depuis 400 ans au moins et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une teinte que je trouve vraiment super flatteuse. Et ensuite, pour la bouche, je fais quelque chose de nude avec un rouge à lèvres liquide. J'aime bien, voilà, ça tient toute la journée. Et quand on n'est pas trop maquillé, c'est pas trop foncé. La fatalité, c'est un jour où je devais tourner une vidéo en extérieur pour vous justement. Donc en fait, j'ai prévu une tenue vraiment très simple avec un petit pull et un legging de chez Freddy pour être à l'aise toute la journée. Donc là, en fait, on a décidé, finalement, on a changé de plan et on est allé se balader. Donc là, en fait, on a fait une petite balade avant d'aller se restaurer chez Prêt à manger. Vous savez que c'est ma chaîne de restauration vraiment préférée. Il y a plein de trucs super gourmands et assez elle-ci quand même. Donc bon, je vous le dis de suite, faut pas craquer sur les super barres parce qu'elles sont super bonnes, mais honnêtement, voilà, pour la ligne, il y a mieux. Donc moi, à la place, j'ai choisi un sandwich au falafel qui est super bon et un bol de mangue qui est absolument délicieux avec un petit thé vert. Donc voilà, c'est vraiment un repas que j'adore. Vraiment, chez eux, je prends toujours la même chose, clairement. Et si vous connaissez pas cette chaîne, je vous conseille vivement d'y aller de ce pas. Mon look, donc comme je vous l'ai dit, quand voilà le week-end je sors pour me balader comme ça, pour filmer surtout, en fait je m'habille super confortable, donc rien de foufou, mais voilà, c'est comme ça que je m'habille au quotidien quand voilà je ne fais rien d'exceptionnel. Donc j'ai mon éternel sac Michael Kors bleu marine que j'aime toujours autant. Là j'ai ma vernis chez OPI très foncé que vous avez partagé sur Snapchat d'ailleurs, que j'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes préférés en ce moment. Et donc mes nouvelles chaussures Nike, les CD Air Max blanches que vous aviez eu l'air de beaucoup aimer. Donc voilà, je les ai achetées chez Courir, je crois. Et le Freddy dans lequel j'ai déjà du mal à rentrer mes fesses. Bref, voilà, donc c'est un look vraiment très simple, comme je vous le disais, et confortable pour se balader, filmer, etc. Bon, bien évidemment, une journée balade, c'est pas une journée balade s'il n'y a pas de shopping dedans. Donc, on a pris la voiture et on est allé se promener pour faire un petit peu de shopping. Donc, voilà, je vous montre un petit peu quelques petits panoramas pour ceux qui, voilà, ne vont pas souvent à Paris. Ce jour-là, malheureusement, il n'était pas super beau, c'est vraiment de la malchance.
Parce que le jour juste avant et le jour juste après, il faisait un temps de canon. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, voilà, c'était le jour où je pouvais filmer. Donc non, je n'ai pas craqué sur les gâteaux. Bien évidemment, on est rentré chez Nike, le détour obligé. Donc j'ai bavé sur toutes les nouvelles chaussures. Donc j'en ai à peu près 40 000 dans mon placard. Mais à chaque fois, j'ai envie d'en acheter des nouvelles. Je crois vraiment qu'il faut que j'arrête de rentrer chez eux. Et finalement, je n'ai craqué que sur ce petit vernis ici, qui est vraiment super beau. Donc moi, j'adore le vert comme ça. Du dîner, donc c'est vraiment le grand moment. Quand tu dois faire ton cheat et tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Tu vas faire un hamburger, des sushis. C'est vraiment un choix mais vraiment dur à faire. Donc ce soir-là, on a décidé de manger japonais. Donc moi, j'ai pris mon éternelle soupe, voilà, salade, etc. Bien évidemment, j'ai tout snappé comme d'habitude. Et ensuite, j'ai craqué en fait sur des brochettes, tout simplement. Moi, j'ai pas pris de sushi, donc voilà, j'ai pris des brochettes de tofu grillé et de champignons. Et si vous connaissez pas, vraiment, je vous conseille de tester au plus vite. Voilà, voilà, les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt.